monde du travail, donc on commençait à travailler quand j'étais un fils d'agriculteur, les parents nous prenaient dans les champs. À quel âge, à peu près? T'as commencé quand? On y allait, je sais pas moi, à partir de 10-11 ans, les petits travaux, les menus travaux, pour les fêtes de Pâques, on allait ramasser le semin, pas les fêtes, les vacances de Pâques. Les parents nous prenaient, ils allaient dans la vigne, travailler, alors ils travaillaient à la main. Et nous, on ramassait le sarment dans la vigne, on C'est faisait quoi le des tas. sarment? Le sarment, c'est les rameaux où pousse le raisin. On taille la vigne. Donc le sarment était par terre, bien posé. On le ramassait, on faisait des tas. Et ensuite, nos parents le liaient, on appelait ça le lier. À l'époque, on ne faisait pas avec des ficelles, on faisait avec des osiers. C'est une tige très souple qu'on plie, qu'on fait. Oui, les sacs en osier Oui, aussi. voilà. Et sinon, après, l'été, on coupait de l'herbe, ramassait du foin, à l'époque des moissons, les gerbes, parce qu'il n'y avait pas de moissonneuse batteuse, ni. Ils moissonnaient les champs avec une faucheuse. Ça coupait le blé, il tombait par terre. Et après, il fallait faire les gerbes, on appelait ça. Il fallait les lier pour qu'elles tiennent. Et ensuite, on les mettait en tas, on appelait ça des crouzelles, en croix comme ça, on les laissait là dans le champ pendant. Parce qu'on coupait le blé en herbe, il n'était pas vert. Mais il mûrissait dans le champ, une fois coupé. De façon à ce que le grain ne tombe pas de l'épi. Alors on le laissait sécher, macérer pendant peut-être, je sais pas, 15 jours. Et ensuite, avec les charrettes, les chevaux, il y avait beaucoup d'entraide entre voisins, petits agriculteurs. Les voisins venaient, on partait, cheval, une charrette, chacun, et un ou deux pour faire passer les gerbes. Et on allait charger les gerbes dans les champs, et on les ramenait dans la cour pour faire une gerbière, on appelait ça. Alors c'était un grand tas de gerbes. Et ensuite, le batteur venait, la grosse machine que tu as vue là, Voilà, mitrailleuse. dans la cour. Pour dépiquer. Et Okay. voilà, alors là, c'était la grande. Et la machine a appartenu à Elle qui? appartenait à un C'était. entrepreneur d'Orban qui venait. Enfin, ici, c'était quelqu'un d'Orban. En fait, Il en vous avait louez, deux. tout le monde le Et louait. il passait, alors il se faisait payer au nombre de sacs et au nombre de balles. Parce qu'on faisait, il emballait, la paille était emballée. Dans l'ancien temps, elle était en vrac. On faisait des paillets, on appelait ça en vrac. Mais après, il y a eu les emballeuses. Donc, dans la balle, marqué le nombre de balles. Et un employé, un mécanicien qu'on appelait, de l'entreprise, de la machine, quoi, comptait les sacs qui partaient dans le grenier. Alors, après, l'entrepreneur passait et te faisait payer tant de sacs et tant de balles, et voilà. Et alors donc c'était l'entraide, et pour dépiquer là, il y avait facilement une trentaine de personnes. Ça se remplaçait. On commençait le matin au lever du jour à 5 h, 4 h 30, 5 h, et on se remplaçait toutes les heures. Il y avait une équipe qui était en train de travailler, d'autres qui se reposaient, puis changeaient, etc. Et alors,